Je vous propose un petit billet complémentaire sur celui que j'ai fait précédemment qui parlait des protocoles de communication utilisés par les objets connectés. C'est pour rebondir sur une question de Guillaume. Salut Guillaume, qui me disait, mais ok, c'est bien tout ça, mais c'est quoi qu'on doit utiliser pour des ampoules connectées, des prises connectées et toutes ces choses-là? Et en fait, c'est vrai que c'est pas du tout une question que j'ai abordée. J'ai abordé vraiment la question des objets qui sont des objets qui doivent communiquer avec vous quand vous n'êtes pas dans la maison. C'est assez différent de l'ampoule, parce que l'ampoule, son cas principal d'usage, c'est on est dans la maison et on a envie de la piloter avec son smartphone, quoi, quelque part, ou avec une télécommande, ou voilà, chose comme ça. Potentiellement, on peut avoir à communiquer avec elle quand on n'est pas là. Mais son but premier, c'est de communiquer quand on est là. Ce qui est assez différent pour moi, du thermostat ou du détecteur de fumée ou de l'alarme, là, c'est plutôt des éléments qu'on va utiliser quand on n'est pas chez soi, quand on est à l'extérieur et qu'on a besoin de communiquer sur Internet. Le cas du thermostat, c'est un peu particulier, c'est que c'est la raison principale pour laquelle il faut qu'il communique à l'extérieur, c'est aussi pour des questions de big data, qui permettent de voir l'intelligence de régulation de l'énergie. Donc, ce qui fait qu'il y a une dépendance entre la partie intérieure et la partie extérieure. Donc voilà, donc ça c'est un monde dont j'ai parlé, qui était plutôt un monde qui avait besoin de communiquer entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Alors, pour répondre à ta question, Guillaume, mon idée c'est que sur les lampes, sur les prises, sur tout un tas de choses en fait, qui sont des objets du quotidien de la maison, ça va être aussi peut-être la VMC, ça va être les volets électriques, ça va être les choses comme ça, quoi, détecteurs de d'hygrométrie ou tout un tas de choses qui vont permettre d'automatiser la maison, et on est plus dans le domaine de la domotique, hein, grosso modo, ben, dans ce domaine-là, je pense qu'en fait, la problématique principale, c'est de communiquer à l'intérieur de la maison. Et là-dessus, on a des protocoles qui existent, qui sont déjà bien implantés, qui sont Zigbee, Z-Wave. Alors moi, perso, je vais peut-être choquer des gens, mais ces protocoles-là, j'y crois pas trop. Et j'y crois pas trop pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ben, comme ce n'est pas des protocoles utilisés par les téléphones portables, vous êtes obligé d'avoir une station d'accès. Cette station d'accès, elle va se connecter à Internet, et puis ensuite, votre téléphone, il va aller vers Internet. Et là, on retombe à peu près sur tous les problèmes que j'ai dit précédemment de communication avec Internet, qui franchement me gênent. Voilà. Ou alors on a une solution totalement Z-Wave, mais du coup avec une interface qui n'est pas l'interface qu'on a envie d'avoir tout chacun, c'est pas l'interface qu'on a dans nos poches, et ainsi de suite. Alors il y a une techno à laquelle je crois énormément qui est en train de sortir aujourd'hui, c'est Bluetooth 5, qui en fait est du Bluetooth 4, mais avec une plus longue portée. Il y a d'autres trucs, hein, mais surtout moi ce que j'ai noté comme gros changement vraiment intéressant, c'est la portée, parce qu'on annonce 300 mètres. Alors 300 mètres. Globalement, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est 300 mètres en champ ouvert, ainsi de suite. Mais en général, quand on a une portée de 300 mètres, ça veut dire qu'on couvre bien une maison à l'intérieur. Et une maison, on va dire, standard, assez grande, quoi. Voilà. Donc un appartement, pas de problème. Une maison, ça se passe bien aussi. Et du coup, ben ça, c'est vachement intéressant parce que le Bluetooth 5, ça va être implémenté rapidement dans tous les téléphones. Déjà, les périphériques Bluetooth 5 qui marchent en Bluetooth 4, on n'aura pas la portée, mais ça peut fonctionner. Mais en plus, on va avoir bientôt Bluetooth 5 dans tous les téléphones. Et donc, ça veut dire que le téléphone peut enfin être la télécommande universelle d'une autre domotique. C'est-à-dire que quand je veux allumer ma lumière, si j'ai un système comme ça, ou changer sa couleur, ou voilà, faire des choses de ce style-là, eh ben, je vais sortir le téléphone qui est dans ma poche, et puis je vais aller sur mon app et je vais le faire, et tous les gens de la famille qui ont un téléphone vont pouvoir le faire eux aussi. Donc c'est assez simple avec la télécommande universelle et ainsi de suite. En plus, c'est une technologie qui coûte pas cher et qui est vachement plus ouverte que Zigbee, Z-Wave. Voilà, donc je crois beaucoup à cette solution-là pour ce type de device. Ce qui ne veut pas dire que ces devices-là, il ne faudra pas qu'ils communiquent avec l'extérieur. Et pour ça, potentiellement, on va avoir une gateway dans la maison qui va communiquer avec donc ces technos-là type Bluetooth, vers cette gateway qui ensuite, elle, va pouvoir communiquer avec Internet. Et là, on retombe dans les problèmes que j'ai cités précédemment. Si on utilise le Wi-Fi de la maison, et ben, voilà. Et si on utilise la DSL derrière, et ben, on a encore des risques. Voilà. Et puis l'accès électrique, ainsi de suite. Mais autant l'accès électrique est moins gênant pour piloter une lumière, parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de la piloter. Voilà. Grosso modo. Donc, on retourne sur ces problèmes-là, et là, bah, je redis qu'en fait, cette gateway, si, bah, potentiellement, elle pourrait être autonome en communiquant sur Internet avec un système type LPWAN, donc Sigfox LoRa, voilà, et ça pourrait rendre le service aussi dans beaucoup de cas, avec l'avantage du coup que cette gateway, elle pourrait fonctionner sur pile, pourquoi pas, et du coup, on éliminerait les problèmes de coupure de courant ou ce genre de choses. Voilà, dans certains cas, ça peut avoir du sens. Donc, ben voilà, tout ce que j'ai dit n'est pas complètement incompatible, mais en effet, il y avait ces deux domaines auxquels il fallait penser. Alors, quand je dis ça, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est Wi-Fi, les nouvelles normes low energy.
qui peuvent être intéressantes aussi dans ce domaine-là, dans le domaine de la maison, pour aller faire des capteurs connectés en Wi-Fi. Ce qui m'ennuie avec le Wi-Fi, outre tout ce que j'ai dit sur le risque de le parasiter, le fait que ça marche quand on veut, ainsi de suite, c'est le côté paramétrage. Autant Bluetooth, le device, il n'y a pas de paramétrage à faire. Depuis Bluetooth 4, on se connecte dessus de façon très simple. Voilà, il n'y a pas de configuration à faire. On va juste s'enregistrer sur le device, mais elle dira à la base, les devices sont accessibles de façon publique. Après, on peut restreindre, mais la base, c'est celle-ci. Alors que Wi-Fi, il va falloir qu'on s'inscrive sur le réseau, donc on rentre le SSID, qu'on rentre le mot de passe partagé, ainsi de suite. Il y a le WPS, franchement, enfin, dans les cas d'usage, je trouve que le WPS, ça n'a pas montré des miracles jusque-là, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ça reste le problème du Wi-Fi, c'est la configuration et donc le côté pas vraiment plug and play ou user friendly qu'on peut retrouver dans le Bluetooth. Et c'est pour cette raison-là que je crois vraiment beaucoup dans la solution Bluetooth et donc Bluetooth 5 qui va bientôt arriver. Voilà Guillaume, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci d'avoir posé, ça me permet de préciser un peu ma pensée, d'aller plus loin. À bientôt.